Révélation sur la seconde mort. Alors, il y a un monde qui est intéressé, bon Dieu, mais tout le monde qui a fait offrande, qui a fait ça, pour la gloire de Dieu, et bon Dieu, pas manquer, pas venir, nous apprendre rapidement dans le message, nous. Révélation sur la seconde mort. Alléluia. Il y a un peu de monde qui ne connaît pas qui ça, qui est seconde mort. Il y a un peu de monde qui. By interprétation par you sur seconde mort, mais la Bible lui-même décrit ça très bien dans nous dans quelques versets lui décrit ça et ça fait que Matthieu nous a pas le soin pour nous capables de nous. Ou même qui est là, ou même qui est online, qui est sur YouTube, qui est sur Facebook, pour capable de comprendre plus mieux, parce que des fois, nous jouons avec la vie, non, mais nous oublions si il y a une seconde mort qui attend à tout le monde qui a joué avec la vie, le monde qui a brassé avec la vie. La seconde mort, la Bible explique nous, elle est mentionnée à plusieurs reprises. Dans le livre de l'Apocalypse, les pour synonyme les temps de feu, mes bien-aimés. Seconde mort, synonyme, c'est les temps de feu. La Bible parle de trois types de morts. Nous avons la mort spirituelle, la mort physique, la mort spirituelle dans le jardin d'Éden, après l'homme fin péché. L'homme vient faire face carré avec la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est lorsque mon a tombé dans le péché, mon a vient mourir spirituel. Si mon ça pas reparti, les mourir, les connaît la mort physique, qu'on y a là après le jugement dernier, les bras fait face avec la seconde mort. Pas oublier, moi dire que dans le livre de la Genèse, la Bible explique nous, lorsque on lit le chapitre 3, la Bible explique nous, l'homme vient faire face carré avec la mort spirituelle, il est séparé avec mon Dieu complètement. Et deuxièmement, l'homme vient mourir. Ça a été la mort physique. La mort physique, depuis qu'on mourit, pas
pas gagné patience bon Dieu pour encore depuis que vous mourir, pas gagné l'amour de Dieu pour encore depuis que vous mourir, c'est fini. Quand est là, si vous mourir physiquement avant que vous mourir physiquement, vous êtes reparti, vous avez servi bon Dieu bien, vous pas faire face carré avec la seconde mort. La seconde mort est réservée pour les méchants, pour les impies, pour les rebelles. Mais ce n'est pas pour nous les chrétiens. La seconde mort, il s'agit d'une séparation avec Dieu. Deuxièmement, la seconde mort, il s'agit d'une séparation avec votre Créateur, avec le Seigneur Jésus-Christ, qui donne la vie après la mort. Lorsque un monde fait face carré avec la seconde mort, c'est une séparation éternelle, mes bien-aimés, ou séparé complètement avec Dieu. Papa, il y a une réconciliation encore. Papa, il y a un code encore. Pendant que sous la terre, vous mourrez spirituel, vous êtes capable de réconcilier avec mon Dieu. Tout autant que vous pouvez faire face carré avec la mort physique. Mais depuis que vous faites face carré avec la mort physique, ça ne peut pas le passer. Vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas le connaître. En sacré, le second mort. Notez que en second mort, il y a pour synonyme état de feu. Et il y a une séparation finale, une séparation totale, complètement, avec Dieu. Verset que nous avons dit, c'est Apocalypse, chapitre 21, le verset 8. Il n'est pas venu de ça, il dit ça pour nous très clair. Il dit, quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. On dit ça pour encore Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Les détails sont très clairs pour nous. Pas gagné. Ça fait que c'est le monde qui a dit, c'est le monde qui a fait causer. Et il dit que quand on lâche, ok, la parole là de monde qui lâche. Il y a plus de monde qui dit aux chrétiens, mais ce sont des lâches. Amen. Ce sont des lâches. Yo lâche. Yo dit aux chrétiens dans la bouche, mais yo pas chrétien avec tout cœur. Depuis yo fait face carré avec yon individu, yo te guitar plaie que yo. Depuis yo fait face carré avec problème, avec souffrance, yo te guitar plaie que yo. Depuis yo fait face carré avec la maladie, la mort, yo te guitar fait plaie que yo. Moun sa yo, ce sont des lâches. Avant, lorsque moun sa yo, fait face carré avec péché, moun sa yo qui t'a soumettre, yo qui t'a tombé, moun sa yo la Bible li yo lâche. Bon? Ou si yo lâche, nous gagnons quelques exemples de la Bible, nous gagnons Joseph pas yo lâche. Bon? Joseph, bon, c'était un homme qui était très brave, il pas yo lâche, il fait face carré avec le péché, Joseph courit. Bon? Il fait face carré avec une Jézabel que c'est madame Potiphar, Joseph courit. Lui courit, c'est pas parce qu'il est lâche, mais il connaît que devant péché, on doit courir. Si on pas courir pour péché, lorsque Satan fait rencontre avec Satan, Satan avale. Joseph courit pour péché lorsqu'il rencontre avec Satan pour Satan soumettre, pour Satan couper devant. La Bible dit quand on lâche, parce que lâche là, même lui englobé tous les chrétiens, commencez sur les leaders, sur les pasteurs, sur les évangélistes, sur les bishops. Amen. Depuis que vous êtes lâches, la Bible pas dans cause, ils ont fait titre ensemble avec vous, ou t'es gagné tel titre, depuis que vous êtes lâches, pas gagné, pas de ciel pour vous. Il dit quand on lâche, parce qu'il y a pile dans nous, en tant que pasteur qui lâche, n'ont pas prêché l'évangile. Parce que nous avons deux trois grands monde devant nous. Il y a bail dîme, il y a bail offrande, nous avons carrière à gérer, nous avons comme rente nous à gérer, nous avons un bill machine nous à gérer,
nous sommes lâches, nous ne pas prêcher l'évangile, nous ne pas prêcher dame ça l'évangile, nous ne pas prêcher jeune fille ça l'évangile, nous ne pas prêcher madame Marie ça l'évangile, bien que nous connaissons la vivre dans le péché, bien que nous connaissons la vivre mal, nous ne pas prêcher l'évangile, nous soyons lâches. Vous connaissez mon affaire bagaille qui pas bon, mais vous ne pas jamais venir devant pour parler ensemble avec lui. La Bible dit qu'ils sont lâches, les lâches n'hériteront point le royaume de Dieu ou des cieux. Bon, ou sont lâches. Et bien, il dit, aux incrédules, monde qui est incrédule à la parole de Dieu. Il y a plein de monde qui est incrédule, mes bien-aimés. Mais que, ils entendent l'évangile. Bon, l'évangile prêché, l'évangile annoncé à eux-mêmes, mais ils ont toujours été dans l'incrédulité. Monde ça, la Bible fait connaître que si ils ne pas repentir, ils ont pour faire face carré avec ce mot de mort. Les droits maman ou les droits papa ou qui sont pasteurs, qui sont bishops, qui doivent tête pas, qui doivent offrir une soeur, mon Israël doit repentir. Et puis il dit, aux abominables. Lorsque la Bible a parlé de péché, ça, abominable, c'est un péché qui est extrême, mes bien-aimés. C'est un péché qui est extrême, depuis que le péché a arrivé dans la dimension, ça la donne, censé pas avoir repentance pour vous, aux abominables, ou vin commettre un péché, ça dans une dimension. Au moins qui extraordinaire, côté que en devant mon Dieu, sans se pagayer même pas de mots parce que la Bible parle, lorsque l'Église fin enlever, gagner la bête qui c'est Antéchrist qui prend pour mettre péché ça, y a un péché abominable. Et puis il dit, oh meurtrier, meurtrier c'est moun qui a tout le moun. Ok, doit pas gagner, y a un couteau dans mer et voit pas. Rentrer dans le monde pour tout le monde, ou bien yon poignard, n'importe sale taille, et mais ou tout le monde avec langue, ou tout le monde avec comportement, ou tout le monde avec attitude, ou tout le monde avec conduite, ou voye moun dans l'affaire avec façon de fonctionnement. La Bible dit ou sont meurtriers. Nous avons pile meurtriers parmi nous au sein de l'Église. Nous avons pile meurtriers, ou pas même aller dehors. On ne peut pas même aller checker les païens ou te mettre checker au sein de l'église. Il y a un pile meurtrier au sein de l'église. Moun kap touye moun. Et puis, dit, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, li contribue même bien-aimé à toutes sortes de fétiches. On va bagaille sexuelle que vous êtes capable de commettre en tant que chrétien. Vous connaissez que lorsque vous finissez marié, quand vous êtes pour mari ou même qui se fit, marié encore, c'est pour madame. Mais d'abord, avant, ou encore, c'est pour Christ qui est lié, parce que Christ, c'est premier mari. C'est avec Christ pour fiancé, ou c'est futur épouse de Jésus-Christ. La Bible dit ça. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, mais vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous appartenez à Jésus-Christ d'abord, avant que vous appartenez à Marie, hein, à madame, non, vous appartenez d'abord à Jésus-Christ. Alors que lorsque vous mariez, il faut prendre un pile précaution pour ne pas commettre des actes d'immoralité sexuelle dans le mariage. Ou même tout pour marier, pour ne pas commettre action sérieux pourtant l'homme marié, et ou même tout qui fait marier, pour ne pas commettre des actes d'immoralité sexuelle dans le mariage. Bagaille qui est capable de traîner dans l'enfer. Mariage, c'est un agent de sanctification qui ramène les chrétiens plus près bon Dieu. Mais c'est comme ça tout, depuis que vous mal fonctionnez dans le mariage là, sexuellement, ou commettre des immoralités sexuelles, ben, ennemi capable d'utiliser pour capable traîner ou mener dans l'enfer. Réellement important. Et puis il dit, oh sorcier, sorcier ou sorcier en où? Sorcier ou sorcière, c'est moun qui a fait magie. Bon, moun nan dans l'église, li dit li c'est chrétien, mais li c'est bishop, li dit c'est pasteur, mais pour l'église là, fonctionne Jean Vléa, li oblige rentrer dans sorcier, dans sorcière, li oblige rentrer dans écuménique, li oblige rentrer dans maçonnerie, dans maçonloge, pour que li capable fonctionner, pour que l'église li capable de fonctionner, mes bien-aimés. Ok, ça réellement important. Si que vous connaissez que une action ça y est, état de feu attend nous,
Comprenez? Ce n'est pas parce que Jameson qui dit, mais c'est la Bible qui dit, ce qu'on est qu'on a action, ça y est, on va repartir, on va connaître la seconde mort. Et puis il dit, aux idolâtres et à tous les menteurs. Idolâtre, c'est le monde qui prend une chose ou quelqu'un, moun sa, fait moun sa comme yon idolâtre pour lui. Est-ce qu'on voit là que moun capable de prendre Marie li, ou bien madame li comme si comme yon idolâtre pour lui, ou bien yon mot quelqu'un y est, si qu'elle a sorti là, et puis le temps qui est arrivé dans yon dimension, et puis obligé de retourner. Est-ce qu'on voit que n'importe quel est capable d'idolâtrer, ou bien ou capable de prendre, ou capable d'utiliser, ou capable yon idole pour vous, à que tout moun qui commet péché sa yon, et puis dit à tous les menteurs. Le type de monde ça yo pas de ciel pour eux. OK, mon n'a pas menti, il pas menti et pour vivre, pour fonctionner, pour gagner l'argent. On voit la Bible ça que Satan est le père du mensonge. OK, tout monde qui a menti, monde ça yo, c'est petit Satan. Tout monde qui prend maison comme une idole. Tout le monde qui prend son mari comme une idole, tout le monde qui prend son petit comme une idole, tout le monde qui prend l'argent comme une idole, mon ça yo pas repenti, ce god mort attend yo. Et puis dit le pape sera dans l'état ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Amen, oui. C'est la seconde mort. État de feu et de soufre, c'est la seconde mort. C'est le même que seconde mort. OK, c'est révélation ça que vous besoin qu'on aime bien aimé. OK. Second mort, qui ça n'est pas sur Jameson? Second mort, second mort, c'est l'état ardent de feu et de soufre. Second mort, c'est l'état ardent de feu et de soufre. C'est lui-même qui second mort, jeune fille, jeune garçon, ou même qui c'est pasteur, ou même qui c'est bishop, ou même qui c'est évangéliste, ou même qui c'est artiste, ou même qui a prêché pour l'argent. Cap chanter pour l'argent, cap jouer musique, on va dans l'église mon Dieu pour l'argent. Ah ben si que vous pas reparti, ah ben vous pas connaître la seconde mort qui c'est l'état ardent de feu et de soufre. C'est ça qu'elle dit. D'autres passages de l'Apocalypse mentionnent également la seconde mort. Il y a d'abord nous gagner Apocalypse chapitre 2 le verset 11. Il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Lorsqu'elle parlait là de l'Esprit, elle a parlé de l'Esprit de l'Esprit de Dieu. L'écrit avec E majuscule. Il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Il dit le vainqueur n'aura pas à souffrir qui ça? La seconde mort. Alors, la Bible fait comprendre que Jésus-Christ montre que les croyants, même qui sont des vainqueurs, ils n'ont pas souffert qui ça, la seconde mort. Ils n'ont pas souffert la seconde mort, les chrétiens non. La seconde mort est réservée à ceux qui auront rejeté Christ. On va d'après 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Les croyants en Christ n'ont pas à la crainte, n'ont pas crainte seconde mort. Seconde mort pas pour, seconde mort pas pour les chrétiens. Nous pas fait expérience ça. Expérience ça, pas pour les sauver. Expérience ça, pas pour les élus. Expérience ça, pas pour les racheter. Expérience ça, pas pour un monde qui a servi mon Dieu. C'est good bon. Non. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Qui est le vainqueur? Les chrétiens. Les racheter. Yeah. On va qui payent lâche. On va qui camper pour mon Dieu, qui camper pour la foi, dans le travail, dans la maison. On va dans l'église, dans l'école. Nous camper pour Jésus, pour Jésus-Christ. Nous sommes péchés, nous disons ça, c'est péché lié. On va nous pas empêcher fille à fille, on va nous marier ou de garçon à garçon. Non. Lorsque mon Dieu t'a créé dans le jardin d'Éden, il t'a créé un garçon et puis il t'a créé une fille. Et puis chaque bête, il crée un mâle et puis une femelle. C'est comme ça que mon Dieu a créé. Okay? Mon Dieu n'est pas d'accord. Mon Dieu n'est pas accepté un type d'abomination. Mon Dieu n'est pas une fille à marier, garçon à garçon à marier. Non, ça n'est pas pour nous, les chrétiens. Okay? Nous-mêmes qui les chrétiens,
qui se lève le cœur, que moun ka bataille sous la terre, moun ka goumé sous la terre, amen, pour l'évangile, pour Jésus-Christ, moun ki campé pour Christ, amen, oui, de pour campé pour Christ sous son vainqueur. Mais faut persévérer jusqu'à la fin. Amen, oui, vainqueur, il persévérer jusqu'à la fin. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauf, sera que les vainqueurs à persévérer jusqu'à la fin. Les sauvés à persévérer jusqu'à la fin. Amen, oui, les élus à persévérer jusqu'à la fin. Nous sommes tous des vainqueurs. Afin que Dieu a dit, jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais. Ça, c'est attitude vainqueur. Ça, c'est attitude bonne, même qui s'est vainqueur. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour nous et vivre, à toi Jésus pour toujours. Nous connaissons, nous sommes capables de rencontrer des difficultés sur la route. Nous connaissons, nous sommes capables de rencontrer des situations. On va sur la route là. Même le Seigneur Jésus-Christ dit nous ça. Non. Jean chapitre 16, le verset 33. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais qui ça nous fait? Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ est le premier vainqueur. Il est le vainqueur. Jésus-Christ a déjà vécu. Alléluia. Il est le grand vainqueur. Le Seigneur Jésus. Tout le monde parle. Il voulait que pour nous vainqueur, pour nous vaincre l'ennemi aussi. Tout le monde qui vainque Satan. Tout le monde qui vainque les convoitises de ce monde. Amen. Qui se convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de ce monde. Tout le monde, ça, ce sont des vainqueurs. Bon, tout le monde, bon, qui remportait la victoire sous toute, bon, sous toute bagaille que Satan voyait sur le monde, ça, ce sont des vainqueurs. La Bible mentionnait quelques vainqueurs pour nous dans Hébreux chapitre 11. Vainqueurs, ça, nous gagnons Abraham, nous gagnons Isaac, nous gagnons Jacob, nous gagnons Sarah, nous gagnons Noé, nous gagnons toujours, nous gagnons Isaïe. Jérémie, Moïse, Élie, Élisée, oban, tous les grands serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, tous les élus oban, de l'Ancien Testament, ce sont des vainqueurs. Alléluia, mais l'Église aussi, l'Église de Jésus-Christ, que Jésus-Christ a racheté avec son propre sang, ce sont des vainqueurs. Parce qu'il dit ça dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 5-6, il dit à celui qui nous aime, qui nous a lavé, à lui de tout péché, avec son propre sang, qui est le Seigneur Jésus-Christ, a fait de nous qui ça? Un royaume de sacrificateurs pour Dieu qui ça? Son Père, il a fait de nous. Jésus-Christ a fait de nous, à tout le monde qui a accepté, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. À tous les chrétiens, au monde qui vainqueur, au monde qui remporte la victoire, Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Chrétien, pas n'importe monde. L'Église n'a pas n'importe monde. Nous pas faire face avec la seconde mort. La seconde mort, pas de pouvoir sur nous. Non. Seconde mort, pas de pouvoir sur nous. L'Église n'a pas fait face carré avec la seconde mort. Nous, les chrétiens, ou même Captain Dem, qui sur YouTube, qui sur Facebook, alléluia, ou pas faire face carré avec qui ça? Ou pas faire face carré avec la seconde mort? Alléluia, parce qu'il dit comme ça que dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen, oui. Nous triomphons du monde. Nous triomphons du monde avec qui ça? Avec notre foi. Problème, ils ont venu nous triompher. Maladie vient nous triompher. Alléluia, souffrance vient nous triompher. Amen, et bien voyez les flèches. Nous triomphons. Nous sommes tous des vainqueurs. Nous sommes tous des gagnants dans le nom de Jésus-Christ. Rien ne peut nous arrêter. Pas de rien qui a bloqué nous. Nous gagnons Apocalypse, chapitre 20, le verset 6, qui parle de ça. Comment le verset ça, vous voulez vous connaître? Apocalypse chapitre 20, le verset 6, il parlait de ça, il parle de la seconde mort en lien avec une période à venir qui appelait le millénium. Le millénium. Il dit heureux. Et c'est ceux qui en parlent à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres
de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant qui ça? Pendant 1000 ans. Gloire à Dieu. Alléluia. Verset ça, il a donné trois éléments qui réellement importants. Ceux qui seront mis à mort pour le foi en Jésus-Christ pendant la grande tribulation ressusciteront pour vivre avec lui pendant le millénium. Ils échapperont à l'état de feu et la seconde mort et ils régneront avec le Seigneur Jésus-Christ. Tenez bien, oui. Il dit heureux et c'est ceux qui n'ont pas la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres à lui, à vous, sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous avons pour nous régner avec le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, pendant 1000 ans. Pas oublier, première résurrection, et il y a une deuxième partie là-dedans. Première partie, hein, lorsque Christ vient chercher l'Église, nous enlever, nous aller qui côté? Dans le ciel. Nous allons nous passer une période de 7 ans avec le Seigneur Jésus-Christ. Après ça, nous retourner avec Christ. Au moment où Christ parle détruit, faux prophètes et antéchrist avec tout le monde qui est ensemble avec lui. Et puis laisse ça, Satan prend lié pour 1000 ans. Et puis laisse ça, prend le guillon, deuxième partie de la première résurrection à Jérusalem. Côté que les martyrs de la tribulation, de la grande tribulation, Mounsa yo prêt à ressusciter. Alléluia, c'est le type de Mounsa qui a parlé là. On se bat avec vous, on se bat avec vous. Côté que yo prêt à ressusciter, côté que nous prêt à rentrer avec Jésus-Christ. Alléluia, dans le millénium, ce qui c'est Golden Age, nous prêt à vivre avec Christ pendant que ça, pendant 1000 ans, nous prêt à régner avec Christ, comme qui ça, comme prêtre ou bien sacrificateur. Qui te donne des fois ennemi en voulait faire sous-estimer mais peut-être pas nous en tant que chrétiens. Yeah. À cause que ou pas que l'argent, à cause ou pas que yon machine, à cause que ou pas que à cause ou pas marié, à cause ou fin marié ou aussi livre les forces sous-estimer tête ou qui vous nouye, qui sont pensés ou yé. En bien, regardez matin, on va après-midi à 10h30, on fait 1h30 qu'on est d'après la parole de Dieu. Mais qui moule qui est mieux? Premièrement, moi c'est enfant de Dieu, moi c'est hérité de Dieu, moi c'est co-hérité de Jésus-Christ. Et puis, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, alléluia, pour Dieu son Père. Et puis, nous prenons toujours jouer rôle ça dans le millénium avec le Seigneur Jésus-Christ. Heureux et saints, ceux qui n'ont pas à la première résurrection, ou même, alléluia, qui déjà participé dans la première résurrection. Lorsque Christ finit, la Bible dit la mort en Christ ressusciteront qui ça? Premièrement, alléluia, monde qui fait part alors de la première résurrection. Pas oublier, dit la première résurrection, à la deuxième partie, qu'on y a lorsque Christ finit, et puis les chrétiens vont pas ressusciter, et puis nous ne pas rentrer avec Christ. Qu'on y a lorsque nous finissons rentrer avec Christ, nous prenons, alléluia, jouer. Alléluia, nous prenons jouer, nous prenons de la paix, nous prenons de la joie avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, monde qui mourit, qui demande qui te mourit sans Christ, les rebelles, les rebelles, les impies, les incrédules, qu'on est là après 1000 ans, lorsque Christ finit détruit Satan, parce que pas le gonnet des batailles, lorsque Christ finit détruit Satan, et puis il voyait dans l'enfer, et puis qu'on est là, Mounsayo prend le ressusciter. C'est type de Mounsayo qui prend le qui ça? La seconde mort, c'est type de Mounsayo. La Bible fait comment que la seconde mort, lui est également mentionné dans Apocalypse chapitre 20, le verset 14-15. Il dit, puis la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Tenez bien, oui. La mort et le séjour des morts. Tenez bien. La mort, ça qu'elle a parlé là, c'est lorsque nous mourons physiquement. La mort est une personne diabolique. La mort et le séjour des morts. La mort est une personne. Le séjour des morts aussi est une personne. Mais bien aimé, la mort avec ses jours de mort, c'est madame avec Marie. La mort prend et puis le poteau va ses jours de mort. Ses jours de mort, c'est côté. Au moment, vrai monde aller. C'est côté vrai monde aller. C'est pas côté comme ça aller, non?
comme ça, lorsque nous avons mouillé comme ça, aller dans le tombeau, aller dans le trou. Mais ce jour de mort, les réservé pour les impies, les gens qui va sauver. Dans l'Ancien Testament, en terme ça, tu as toujours fait référence à deux groupes de monde, à les païens, à les chrétiens. Mais qui différencié, au monde qui, premièrement, bon séjour des morts et mauvais séjour des morts. Mauvais séjour des morts, c'est pour les impies, bon séjour des morts, c'était le Seigneur d'Abraham. Mais lorsque Jésus-Christ retournait, son autre bagaille. Les chrétiens mourent, les chrétiens pas fait tête en bas encore. Les chrétiens mourent, c'est tête en l'aile fait. Amen, oui. Qu'il y a là, séjour des morts, ça, la Bible parle là, c'est mauvais séjour des morts. Mon mauvais séjour des morts, lorsque, au moment où qui mourit sans Christ là, mourit, quand on aller dans un tombe, dans un cercueil, et puis va ou même aller dans un mauvais séjour des morts, au monde qui tirait les chéoles dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament qui est les Hadès. Au monde, ça allait là, commencer tout monter. Au moment, mauvais séjour des morts, ça, l'Isée au pré-l'enfer. C'est de ça que madame t'a parlé, c'est de l'expérience à qu'elle t'a fait. Au moment, le monde n'a pas arrivé, bon Dieu n'a pas arrivé ensemble avec lui. Non, l'a fait exactement, mais les paraître ensemble avec elle, dans ce jour des morts. Au moment, ce jour des morts, il y a un lieu de tourment. On va nous lire de tout le monde qui pourquoi destination éternelle. Qui pourquoi destination éternelle, les perdus. Comprenez? Qui pourquoi destination éternelle, les perdus. Alors, lorsque nous avons mouru sans Christ, la mort prend, l'hypothèse va être mauvais séjour des morts. Et puis nous avons commencé à tourmenter. Il dit ça oui. Puis la mort et le séjour des morts fut jeté qui côté dans les temps de feu. Ok, la mort et le séjour des morts, c'est deux personnes diaboliques. On va la Bible dit deux mouns au moment à la fin des temps, il y a des pouilles jeter qui côté dans les temps de feu. Qui c'est qui ça? Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés qui côté dans les temps de feu. C'est le verset 15. Au moment, les temps de feu, c'est la seconde mort. Révélation, ça, on doit connaître. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Si qu'on connaît, les temps de feu, c'est la seconde mort. Ou, seconde mort, c'est les temps de feu. Ah, mais, on raconte comment pour marcher en tant que chrétien. Parce que, si qu'on connaît la vérité, on va là, et puis, appliquer la vérité, ça, mais, la bonne pour l'amour, la bonne pour présent. Qui souffrent ce qu'on pas souffrir sur la terre. Et puis, la bonne pour futur. Parce que, façon de vivre qu'on y a, l'indéterminé futur. Est-ce qu'on entend des mots? Façon de vivre qu'on y a, l'indéterminé futur. Style de vie que vous menez qu'on y a, l'indéterminé futur. Quel style de vie que vous menez? Ça, c'est question pour mes matières. Ça, c'est question pour mes matières. Quel style de vie que vous menez? Est-ce que vous avez servi mon Dieu bien? Est-ce que c'est pas sous l'offre que vous avez dans l'évangile? Est-ce que ce n'est pas ça faire ou à régler? Est-ce que ce n'est pas l'argent ou à régler? Est-ce que ce n'est pas pour une fille qui vient de l'église? Est-ce que ce n'est pas pour un mari qui a accepté Jésus-Christ? Est-ce que ce n'est pas un miracle qu'on a besoin? Est-ce que ce n'est pas un prodige ou besoin? Est-ce que ce n'est pas une merveille qu'on a besoin? Au moment qu'il faut venir l'église ou bien accepter Jésus-Christ. Regardez, c'était comme ça, mes bien-aimés, bagaille la gâte dans la mer. On doit accepter Jésus-Christ comme sauveur et maintenant la vie pour votre âme. Ou doit servir parce que c'est mon Dieu en tant que bon Dieu. Ou pas doit servir mon Dieu pour l'argent. Ou pas doit servir mon Dieu pour manger, pour les choses de ce monde. Ou pas doit servir mon Dieu pour bagaille ça yo. Ou doit bailler mon Dieu gloire pour bagaille ça yo. Mais ou doit servir mon Dieu en tant que bon Dieu. Lui sauver l'amour. Lui te venir sur la terre. Lui te accepter toute souffrance. Lui te bailler pour peut-être pas pour le garder pour te sauver. C'est nous toujours. Au moment où vit l'église dans son bagage qui est venu chercher, au moment les choses de ce monde, mais ce n'est pas pour Dieu qui se vivre. Mikoana, mais nous avons chanté, mais nous ne pas chanter à tout cœur. Ce n'est pas pour Dieu qui cherché. Au moment où Mikoana, mais nous, c'est parce que nous voulons, ah, bagaille au bien rangé là, au moment où nous allons faire mon ouais, ou bien page, moi, a bien marché, ou bien m'a fait l'argent, ou bien nous allons la vie de prêcher là, au moment où mon chèque est à moi, ça fait ma danser, ça fait que mon joie, hey! C'est vraiment ça, Marie la prenne gâtée dans la mer. Bagala gâtée, madame mariée, sous pas ranger pied. Comment bagala gâtée dans la mer?
Mais se marier, sous parage pied, ou même qu'a fait type chat sous madame, ou même qu'a gratté mes jeunes filles, ou même qui s'est joué bonnette, ou même qui s'est amené en vie d'immoralité, ou même qui s'est amené en vie de rancune, de cupide, de pudique, sous parage pied, bagaille la gâte dans mes rois, ou pral connaît la seconde mort, qui est l'état de feu, que la Bible est l'enfer éternel. L'enfer éternel, le réservé à tous les incrédules, le réservé à tous les impies, le réservé à tous les faux pasteurs, le réservé à tous les faux prophètes, le réservé à tous les faux frères, le réservé à tous les faux sœurs, le réservé à tous les racketeurs. Étant de feu, le réservé, le réservé. Étant de feu réservé à tout le monde, ça y est. Alléluia, le réservé. Les réservés, matin, dans qui bon campé, qui côté campé. Voilà, qui côté campé. Qui côté campé. Est-ce que éternité ou bien assurée. Voilà, qui côté pour le passé éternité. Est-ce que c'est dans le ciel. Hein? Le jugement à venir doit également motiver les croyants à témoigner le foi. Jugement ça, il doit motiver nous à témoigner foi nous sur la terre. Nous devons être solides. Faire nous connaître que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ a retourné. Oh bon, Jésus-Christ est réel. Oh bon, Jésus-Christ est réel. Parlez de Jésus-Christ. Notre travail là, notre maison. Alléluia. Il y a une grande différence entre la destinée éternelle de ceux qui connaissent Christ et des autres. Il y a une grande différence éternelle entre les gens qui connaissent Jésus-Christ et les gens qui ne connaissent pas qui ça, Jésus-Christ. Il y a une grande différence. Qui différence? Les gens qui pour Jésus, c'est ciel. Les gens qui pour Jésus, l'enfer éternel. Où est la grande différence là? Au bon, le ciel, nous prions mon Dieu. Au bon, l'enfer éternel, mon ça y est bon. Yo loué mon Dieu. Yo loué mon Dieu. Jugement, c'est la Bible qui dit que c'est un avertissement aux croyants pour qu'ils cherchent qui ça? Jésus-Christ. Pour qu'ils cherchent qui ça? Le salut de Jésus-Christ. C'est un avertissement. Jugement, ça, que la Bible parle là. C'est un avertissement, amis. Ou même captant de actuellement là. Ou dit ou c'est chrétien, mais on fait ça au vle. Ou virer pied au jonglé. Ou ouvrir pied au jonglé. Ou chita koto ou vle, ou ouvert bouche ou côté ou vle, ou garder son vle dans la télévision, téléphone ou pas, ou disait ou cache-t-il. On va dire oui, ou fait ça ou vle, garder, me regrette ça pour, c'est un avertissement. Alléluia, c'est un avertissement, jugement, ça y est pour vous. La Bible a parlé de seconde mort, c'est parce que bon Dieu voulait sauver dans vous. Bon Dieu voulait pour chercher qui ça? Le salut de Jésus-Christ. Si vous ne pas chercher le salut de Jésus-Christ ou pas trouver le salut de Jésus-Christ, gardez vous pral pour que ça, la seconde mort. Tout le monde qui pral dans l'affaire, c'est le monde qui rejette Jésus-Christ. Tout le monde qui pral dans l'affaire, c'est le monde qui rejette Christ. C'est pas parce que c'est péché. Non, mais c'est parce que vous rejette Christ. Parce que mon Dieu dit que ça que me raille péché, mais me remède péché. Tout le monde qui va sauver, ce sont des péchés perdus. Mais tout le monde qui sauve, ce sont des péchés sauvés. A que vous parlez de l'enfer parce que vous rejetez le salut de Jésus-Christ. Le mot salut signifie la délivrance. Vous rejetez la délivrance de Jésus-Christ. Le mot salut signifie la guérison. Jésus-Christ voulait sauver, guérir Namo. Parce que c'est seulement Jésus qui a guéri le cœur brisé. Après le péché, nous venons une maladie, cœur brisé, Satan dans nous. A lui, la maladie, ça, l'argent n'a pas guéri. L'homme n'a pas guéri. La relation n'a pas guéri. Seulement Jésus qui a guéri. Ou pas vraiment qui a l'argent, malgré qui a l'argent. Ou bien, de temps en temps, on regarde dans les news, dans les nouvelles, et puis on a tout éteint. Ou bien, on commence à tout éteint, qui ça? Ils ont confiné, ils ont tout cœur brisé, malgré qui a 2 millions. Moi, ils ont tout éteint, parce que ils ont une maladie cœur brisé. Mais, ma Dieu, ou même qui a attendu, alléluia, ou même qui est sur YouTube, ou même qui est sur Facebook, alléluia, ma Dieu, cherchez le salut de Jésus-Christ. Monde qui va y saluer, c'est Jésus-Christ. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que vous trouvez le salut. Par Jésus-Christ. Jésus-Christ voulait sauver. Jésus parle pour le passé, éternité ou dans l'enfer. Jésus parle pour le passé, éternité ou loin de lui. Serez-vous avec nous
On dit verra de vous, mon frère. Ma soeur, serez-vous avec nous? On dit verra de vous. Le divin rendez-vous, c'est dans le ciel, le noce de l'agneau. Est-ce que vous t'avez mis là ensemble avec nous? Si vous t'avez mis là ensemble avec nous, c'est maintenant. Acceptez Jésus-Christ. C'est maintenant. Focus sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant. Embrassez l'évangile de Jésus-Christ. Embrassez la doctrine de Jésus-Christ. Pas embrasser la doctrine d'un homme. Pas embrasser la doctrine démoniaque. Mais embrasser la doctrine de Jésus-Christ. Vive selon la parole de Dieu. Pas vivre selon un pasteur. Pasteur. Pasteur bishop. Pasteur évangéliste. Alléluia. Gardez dans salut. Dans salut. Alléluia. La Bible dit que le salut est personnel. Alléluia. De pour n'acheter figure moun. Dans salut. Ou pas le connaître la seconde mort. On peut le connaître la seconde mort. Ne salue pas de jouette. Salut, pas dans jouette avec lui, avec moi. Quel que soit le monde qu'il y a, moi pas dans jouette avec lui. Depuis salut en danger, ou un pichimé, parce que tout chimé qui sous la terre, son bandit, qui puis bandit, parce que tout bandit sous la terre, parce que salut réellement important. La Bible explique nous comment l'enfer est. Si on a l'enfer, bébé d'aimé, ou pas retourner back, non. Lorsque on a l'enfer, lorsque on rentre dans l'enfer, pas retourner back, pas retourner back, même je rentre dans le ciel là, ou parle avec Jésus Christ pour tout temps, c'est même gentil. Lorsque bon bien, ou pas qu'on fait examination ça, lorsque yon moun mouri, et puis moun dans ce cœur là, pendant moun dans ce cœur là, li couche pas qu'à lever encore. Li couche pas qu'à lever encore. Si moun ça nan vivant, li pas marche bien, li pas accepter Jésus comme sauveur, ou pendant dans la ville, où est-ce que son cas perdu? Ou est-ce que ça perdu? Ou est-ce que ça non ça pral gaspiller? Et la Bible fait un connaît que. On va même les gens qui sauvent, regardez, abgui un corps pour y aller vivre dans la gloire, un corps glorieux, même les gens tout le monde qui pas sauvé, abgui un corps pour y aller vivre dans la fête éternelle. Moun sa yo pas vivre pour tout temps, ou même qui prend péché comme zami yo, ou même qui prend masturbation comme zami yo, ou même qui prend alléluia immoralité comme zami yo, ou même qui prend orgueil comme zami yo, alléluia zami yo, ou même qui prend alléluia toutes sortes de qualités de péché comme zami yo. Matthieu m'a dit repentez-vous, gon châtiment éternel qui réservé à tous les impies qui se seconde mort. Repentez-vous zami yo, jeune fille repentez-vous, madame Marie repentez-vous. Alléluia, messieurs mariés, repentez-vous. Les pasteurs, repentez-vous. L'église n'est pas pour vous. L'église c'est pour Jésus-Christ. Alléluia, prêchez l'évangile. Prêchez la parole de Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Prêchez la parole de Dieu. Jésus-Christ a retourné. Pas de temps encore, amis. Pas de temps encore. Des fois, alléluia. Oh, nous pas prêcher l'évangile là. Parce que nous avons acheté figue moune. Dans l'évangile, pas acheté figue moune. Dans l'évangile, pas gâcher figure moune. Si vous représentez Christ, vous devez dire la vérité. Si vous représentez Christ, vous devez parler pour Jésus-Christ. Si vous représentez Christ, vous devez camper pour Christ. Pas gâcher figure dans l'évangile. Pas gâcher moune, pas qui ça, dans l'évangile, pas gâcher moune pas. De pour un monde, pas ami, pas moi, ou pas pour Christ, ou pas avec Christ. Parce que pas de monde pas dans l'évangile. Parce que oh, il se passe que oh, le baya pile dîme dans l'église là. Pas de bagay ça. Depuis que bagay ça, pas de l'évangile Christ là qui a prêché. L'évangile Christ là, c'est sauver le sauver moun. L'évangile Christ là, c'est restaurer moun. L'évangile Christ là, alléluia, alléluia, s'est transformé, lui transformé moun. L'évangile Christ là, c'est dans le ciel lui mène. L'évangile Christ là, lui fait sentir bon. L'évangile Christ là, lui fait brader, lui fait jamais pas respect sur la terre. Alléluia. L'évangile Christ là, l'on paraît mon côté, lui faut imposer, lui faut impacter, lui faut influencer. L'évangile Christ là, l'on arrive au degré, lui fait tout baga. Alors, tout démon coupé devant, n'importe quand on arrive, tout diable, tout démon, toute massologe, toute sorcière, elle a coupé devant homme de Dieu, coupé devant serviteur, servante de Dieu, ça, parce que nous sommes chrétiens, nous avons la gloire de Dieu qui couvre nous avons la présence de Dieu, alléluia, nous couvrons avec la puissance de Dieu. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu, vous serez mes témoins, alléluia, à Jérusalem, Jameson.
Franche, vous sont témoins pour Jésus-Christ. Alléluia, madame pasteur Franche, vous sont témoins, Saint Monica, vous sont témoins, tous les chrétiens, vous sont témoins, nous pas de lâche, nous pas de lâche, ou un péché à dire, péché lié, ou est-ce ça son menti lié, dit ça son menti lié, ou est-ce ça son neuf lié, dit le c'est neuf, ou est-ce ça c'est six, dit le c'est six, ou est-ce ça c'est zéro, dit le c'est zéro, parce que les lâches de votre point, alléluia, le royaume des cieux, monde qui lâche, alléluia, pas hérité royaume ciel là, vagabond par le ciel, vagabond, alléluia, ne vous pas d'accord pour qu'il change au pas que ciel pour vagabond c'est changé, qui change ça sur la terre, ne vous t'en allez, ne vous t'en allez, ou vivre vagabond, ou mourir vagabond par le ciel pour, c'est depuis qu'on y a pour changer, depuis qu'on y a pour quitter voler, alléluia, depuis qu'on y a pour quitter raqueter, depuis qu'on y a pour quitter, alléluia, tout ça pas bon pour changer. Après ça, bagay la gâté la mer. Alléluia. Le monde rentre côté ça. Le rentre dans destination, dans destinée permanente. Leur état sera définitif. Et leur destinée. Et leur destinée permanente. Au moins, ils ont dans destinée permanente. On a terminé là. Même qui t'entendait, Mathieu. Moi, je crois que vous avez une idée. Moi, je crois que vous avez essayé de saisir et comprendre qui est en train de faire. Qui est ce que vous avez. Ce que vous avez. Bon, non. D'après la parole de Dieu, c'est un état de feu qui s'est l'enfer après le jugement du grand trône blanc. Après le jugement dernier, les gens vont rentrer tout droit dans ce que vous avez, qui est un état de feu. Ils vont rentrer. Vous comprenez? La permanente, il n'y a pas de tout encore. Est-ce qu'on peut pas changer qu'on y a? Est-ce qu'on peut pas t'arrêter par Jésus là-bas qu'on y a? Quand c'est pour qui pour mon Dieu qu'on y a, oui. Au bon, c'est au bon, vie de sainteté, c'est qu'on y a, oui. Vie de respect, c'est qu'on y a, oui. Accepter Jésus qui a, c'est qu'on y a. C'est pas comme si vous faites stomach ou sur Facebook, parce qu'on fait quelques grains d'eau là, ou ça artiste, mon pas capable ensemble avec vous, ou on prend moins, ou cacheter, ou on quelques belles rats de dessous, ou bien quelques, ou on cacheter ma belle, ou on belle machine, ou qu'on habite dans le caille, ou on pour la tête pour un petit temps. Ou on a pour un petit temps, ou on a ça, ou on a pour un petit temps. Ou pas qu'elle, ou pas fin vivre, non? Ou pas fin jouer, nos amis. Mais Jésus reste là, non, tu restes là. Parce que nous toujours dit ça, tu restes là. Mais Jésus, tu restes là, non. Mais Jésus, tu restes là. Jésus après l'air aux amis. Jésus voulait pour nous changer l'église. Jésus voulait pour nous ramasser pied, non. Parce que nous, c'est bon, nous captons tout le monde. On prend tout le monde qui ne peut pas ramasser pied. Tout le monde qui ne peut pas servir mon Dieu bien. On prend tout le monde qui mourit sans repentance. Tout le monde qui mourit dans le péché. On se bon, captons nous. Mais tout le monde, alléluia. Monde qui mourit en Jésus-Christ et tout le monde qui était fidèle qui a vécu en Jésus-Christ lors de l'enlèvement, que ça vient pour nous pour aller dans le ciel avec nous. Seconde mort, c'est état de feu. On parle d'un lieu côté que les incroyants apprêteraient pour toute éternité. Que Dieu vous bénisse. On nous lève capé pour nous capables de terminer. Alléluia. Seigneur, nous bénissons.